Coucou les Vitney. Donc, alors voilà, je me balade sur Royan et je voulais vous raconter en fait un petit truc qui était trop drôle. Quand on est arrivé mardi, on a acheté des cerfs-volants pour Émilie et Ayamé. Et puis elles se sont éclatées sur la plage, c'était génial. Et à un moment donné, ben, il y a un cerf-volant qui a échappé à Émilie. Donc, on l'a vu grimper très haut dans le ciel. Et au bout d'un moment, le fil s'est accroché à un poteau électrique. Et comme il ventait, ça a continué. Il continuait à voler, voler, voler. Enfin, il continuait à planer dans l'air. Émilie me dit, non mais je t'assure maman, tu verras, au bout d'un moment, il y aura un trou d'air et il va retomber. Moi j'y croyais pas du tout, je me suis dit, oh là là, en plus ça va déranger les personnes, la maison d'à côté, parce que voilà, un cerf-volant, ça fait un peu de bruit dans le vent, quoi. Et puis au bout d'un moment, Yamé me dit, regarde maman, il n'y a plus de cerf-volant. Alors on y va, on court et tout, et on arrive à prendre le cerf-volant, à décrocher le fil, enfin bon, c'était tout un truc. Et pendant tout le moment où il volait et qu'il restait accroché à ce fil, je me disais en moi-même, mais c'est vraiment, ça ressemble métaphoriquement à Émilie. C'est-à-dire, je veux être libre et coûte que coûte, je le serai, quoi. Tu peux toujours faire ce que tu veux, tu peux me regarder, mais moi je serai libre. Et je trouvais ça trop marrant. Sauf que j'étais vexée. Oh, j'étais un peu vexée, voilà, d'avoir acheté un cerf-volant et de ne pas pouvoir le récupérer. Bon, en même temps, on ne l'avait pas acheté des 1000 et des 100, mais. Enfin, voilà, j'avais trouvé ça trop marrant. Voilà. Puis je me suis dit, tiens, au lieu d'écrire au Bitnik, je vais leur envoyer une petite vidéo. Par mail, bien sûr. Je vous adore. Allez, à bientôt et j'espère que Jean-Gilles, vraiment, tu vas mieux. Voilà. Voilà. Voilà ce que je regarde. C'est trop beau. Gros bisous. À bientôt.